Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Fates. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons essayer de ne pas crever comme des merdes, comme dans l'épisode précédent, pour aller taper cela. Donc évidemment, malheureusement, j'ai envie de vous dire que ces persos-là ne servent à rien. Donc, ça c'est useless. On va se mettre là, comme on l'a fait. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te déplacer. Oui. T'as déjà vu ton champ. Comme ça, tu vas pouvoir ensuite l'aider à se barrer. Comme on l'a fait tout à l'heure. Et par contre, peut-être que je vais te mettre toi. En duo, ça fait combien? Ça fait quoi? Ça fait magie plus 2, chance plus 2, résistance plus 2. C'est pas utile. Et toi, ça fait force plus 4. Ouais, c'est quand même bien mieux. Après, tu fais des dégâts, soit, non? Peut-être mieux d'avoir... Elle fait quoi elle? Elle fait peut-être des dégâts elle. Pas de cuivré, oui voilà. C'est peut-être le coup de pas se mettre en duo elle justement. Alors plusieurs tapes. Parlez vous, je vais mourir, blablabla. L'autre il rigole parce que forcément, il sait que ça sert à rien. Ok. Oh non, j'ai pas tué l'autre. La main d'erreur pour écouter la vie, blablabla. Est-ce que je prends les dégâts? Non. Voilà. Bon, au début tu les prends pas, et puis après tu les prends. Fais attention aux attaques magiques, Corinne. Oui. Ah, c'est vrai que toi, tu nous soignes à proximité, c'est ça? Eh oui. C'est intéressant. C'est 2 PV au début de chaque tour. Le problème, c'est que si je peux pas le tuer, du coup, là. J'aimerais bien le buter, lui, là. Parce que lui, on le tue pas, en fait. On lui met 4 dégâts, c'est n'importe quoi. Ah oui, juste, on les tue jamais, quoi. Ne servent à rien. La. Ne servent à rien. Donc faut que je tape lui. Voilà. Je tape Draco Cible. Hein. Ça y clams. Et toi tu fais rien, tu fais 6 dégâts. Technique, vitesse, mouvement plus 1. Ah, il vaut peut-être mieux que je mette... T'as combien de vitesse? J'ai pas ta vitesse. Pourquoi j'ai pas sa vitesse? Ah. Vitesse 8. Toi t'as 14. Ah oui, donc c'est pour ça que tu... Et lui il a combien? Il a 6. Si je mets vitesse plus combien? Vitesse plus 3. Tu passes à 12. C'est plus que 6. Donc tu tapes deux fois. On va tenter en mettant toi en soutien. 6 x 2. Bah, va les mieux mettre 8 x 2. Super. Génial. Vraiment super au top. Les gardes va crever. Ok, génial. Ok, allez, super. Non mais y'a rien qui vient, j'ai dit Azurda parce que c'est Gramps mais... Alors attendez, voilà, elle aussi elle va crever. Non mais c'est bien ce combat, il est bien. On a 4 alliés qui servent à que dalle. Mais laisse-moi passer... Ah, laisse-moi reprendre. Allez, oh putain, mais sérieux, tu viens de le faire ce truc là. Je sais que c'était l'attaque du gars et... Alors, charger. Ah non, option. Oh bordel, butez-moi! Je peux pas charger en fait. Bon bah on va faire un. Faire comme ça. Allez. Essayer de charger le truc. C'est génial. Je suis au top. J'ai pas fait. Et voilà. Voilà pourquoi il faut que je fasse l'émulateur. Parce qu'on peut pas charger la sauvegarde. Ça sert à rien. Vous servez à rien. Et butez-moi. Voilà, parfait. Non mais sérieux hein. Ok, donc émulation, sauvegarde d'état. Sauvegarde dans le placement le plus ancien. Ok, donc ça c'est bien. Maintenant ce qui est intéressant c'est de faire ça. Comme ça, eux j'ai tué les deux. Voilà, comme la dernière fois. Ensuite toi je te mets là. Oui.
On est au courant de ton champ. Ensuite, du coup, toi, je te mets toi, parce que vous servez à rien sinon. Alors que là, tu mettais quand même 1000 dégâts, c'était ok. Toi, tu ne soigneras pas, mais c'est pas grave. Allez. Toi, tu fais blablabla, préparez-vous à mourir. Ok. Donc, toi, tu me mets deux, mais je te tue. Voilà. Et l'autre, il se pointe aussi, non? Tu me mets deux, mais je te tue. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Tonique PV. C'est nickel. Bon, l'erreur peut coûter la vie, on sait que ça va venir. Non, il y était, cela dit, dans la suite, donc il va peut-être pas mourir, lui. Il y était dans le choix... ouais. Il y était par la suite. Alors toi, je vais te... Merde. si je vais là... Pas pour aller là. Oh, chier. Fais chier. Bon, ça suffit pas pour aller plus vite que lui, là. Alors ça, je vais plus vite que lui. Mais 11 avec sa magie de merde. Ok, bon, le soin, on va quand même le mettre. Là, non, on va le faire après. Quoique, non, on va le faire maintenant. Tu prends 2 de soin. On va se mettre là. Bâton, fête, soin. 2 PV, c'est, ça se joue à 2 PV. On va chanter. Ok. Et lui, il faut que je le tue en fait. J'ai pas le choix. Non, je meurs. Le truc, c'est qu'il y a que Corinne qui peut tuer les mecs. Mais il passe pas au travers lui, si c'est ça. Plus de dégâts magiques aux unités qui sont à 2 cases d'elle. Ok. Ça ne passe pas au travers. Mais 11. On va faire ça, on va faire ça. Ok, il est esquivé, parfait. Et oui, c'est ça, ils attaquent plus à côté. Ils sont juste en soutien. Quand ils sont en duo, ils attaquent plus. Ouais, j'ai esquivé, incroyable. Ah oui, c'est ça, quand ils sont en duo, ils attaquent plus, mais ils buffent les stats. Lui, avant, ils attaquaient. Hmm, c'est chiant ça. Là, on va se mettre là. Toi, je t'attaque déjà. Toi, tu meurs. N'en parle plus. Parfait. Ensuite, le problème, c'est que toi. C'est avec la foule, tu nous attaques. Ok. Donc, on va se mettre là quand même. On va chanter parce que pourquoi pas. Ça lui fait gagner de l'XP. Et j'aurais dû utiliser un objet. Icône divine. Ah, pour la durée d'une bataille. Ok. Ça pourrait être intéressant. Hein. On néglige pas. Non, il a pris les 21. Ça sert à rien de faire ça, lui. 7 plus 2. Ouais, mais ça, ils sont trop nombreux en fait. Les alliés servent pas. Je peux pas aller le soigner, lui. Putain, il est mort, vous ne pouvez pas me tuer, mais vous n'aurez jamais Oshido. Mon frère, non, vous ne pouvez pas vous perdre, vous devez vous replier. Tu as raison, je dois me retirer pour le moment. Donc, il est vraiment mort. Ok, donc c'est pas scripted, c'est juste qu'il sert à rien, quoi. Comment je suis censé faire là? Comment je suis censé faire pour les tuer, eux? Sérieux? Ils mettent 5 fois plus de dégâts que moi. Mec, ils sont niveau 3, forcément. Je peux rien faire, moi.
Je peux rien faire. Parce que là, si je le tue, il me met 20, lui. Hein. Mais les gars, plus important que la magie. Mais le problème, c'est que derrière, la magicienne, elle me défonce la gueule, en fait. Et le truc, c'est qu'il y a un... si... lui, il faut que je les tue en deux fois. Parce que si je le tue, l'autre, il me rattaque avec sa magie. On va le faire chanter. On va faire ça. Il nous mettait 20 tout à l'heure. Mais là, il faut que je le soigne, en fait. Le truc, il est là. Bâton. Soin. Hop. Ça, on résiste, tu vois, peut-être. Je lui mets 5. Ok. Là, on est en charge protectrice. Ah, il aurait été pas mal que je me mette, du coup, à sa place, voyez. À la place du dragoon. Il met 18, ça va. Et lui, Clams. Très bien, ça. Juste faut pas que l'autre attaque du coup. Non, il est rendu où, il va pas réattaquer. Non, ok, ça va. Ok, il en prend 2. Il prend 1, c'est très bien. Toi, je te tue. Avant qu'il nous embête. Bon, on a perdu notre pote, hein. C'est un peu con. On va faire une émulation, là. Sauvegarde d'état dans l'emplacement. Ok. On a perdu notre roi. Trop chido, là. Du coup, ça va être un peu tendu. Hop, on va faire. Ah! Non, il faut. Que je... Toi, tu vas où, toi? Toi, tu vas là. Ah, fais chier. Et toi, tu vas là. Ok. En fait, ce que je peux faire. Est-ce que toi, tu vas jusque là-bas? Non, mais c'est parce que t'es un mage. Ok, donc on va faire un truc comme ça. 9 x 2. Ok, vraiment à rien de PV. 5 plus 6, mais elle fait des dégâts, elle, en fait. Elle fait 5. À 100%. Ce qu'on va faire, on va la faire attaquer. Paf. Rest in peace. Trop forte. Chanteuse niveau 2, elle fait plus de dégâts que l'autre qui est niveau 3, certes. Mais quand même. J'ai un peu peur. Non, ça va, il ne nous attaque pas. Ok. Du coup, magie. Magie, magie, le soin. La brise printanière. Ok, toi, toi tu nous fais quoi, toi? Toi tu restes là, ok. Toi je te tue. Oh, il y a un coup critique, le premier coup critique du jeu. 93, incroyable. Je chante pour toi. Et voilà. Mais... je chante pour toi. Ok, et toi, je te bute ou pas? 23. Il a 28 PV. Flûte. On va attendre encore un tour. On va attendre un tour, comme ça on va pouvoir aller le chercher. Tu as 17 PV, on va te soigner. Tu en as débloqué un. Changement de niveau. Niveau 2. Ah oui, on est d'accord, mais on est vraiment en slip, en fait. On est vraiment en slip. Ok. 23, il nous met 10, mais je peux rater. Malheureusement. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Oh non, mais t'as pas le droit de l'esquiver là. Là. Je peux pas danser à côté là. C'est un peu risqué du coup. Est-ce qu'il risque de m'attaquer moi qui danse? Bah, est-ce que je viens? Si je fais la danse là, il va m'attaquer moi.
limite. Ah, quand même. Tout de même, Corinne. Alors juste pour savoir, est-ce que toi tu fais quelque chose? Non. C'est vrai que les bâtons ont une portée. Enfin une durabilité. Bon, on rachètera des bâtons. Ouais bah on va prendre le risque si elle s'il touche pas. Ouais voilà. On va faire chanter notre soigneur. Ça on gagne l'XP aussi hein. Certes on utilise du bâton mais on leur fait monter l'XP. Hein. On leur fait monter l'entente. On leur fait monter l'XP. Merde il attaque. Ah mais non. Non j'ai oublié. Je suis con. Oh non. Oh je suis trop con. Oh je suis trop con. Bon elle est pas morte hein. Elle était sur la droite là. Elle était ici. Elle était là. Et elle est pas morte. Elle est pas morte. Elle est pas morte. On le sait qu'elle est pas morte. Elle était sur le côté droit. Au lieu je suis resté là comme un couillon. Ah ah pas mal. Non, 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 elle est pas morte, ne vous inquiétez pas. Terminé. Comme les vagues grises de l'océan. Qu'elle nous calme. Elle se fait bouffer. Non, mais laisse tomber, c'est bon. Le calme. Ah, c'est elle qui a le pendentif. Comme les vagues grises de l'océan, tu cherches la vérité au-delà des côtes, hors de portée. Mais même les courants changent, bah oui. Tu... Ah ben non. Mais enfin, Corinne. Pas faire ça. Au fil du temps, t'appartiens de poursuivre ta voix. Pourquoi tu la butes? Elle continue de chanter, quoi. Mais. Tue-moi si c'est ce que tu veux, mais fais-le sous ton vrai visage. Ah, bah, quand même! Enfin Corinne. Mais Tu vas pas tuer. Bref. Arg. Je me souviens enfin. Je me souviens. Ah. Feu à volonté. Vous me décevez, Sumeragi. Mon piège était presque grossier. Ah mais du coup il meurt quand même, du coup. Eh bah super. Pauvre petite chose. Ah non mais c'était le... Ouais c'était avant. Si jeune, déjà ton père t'abandonne. Tu seras mon enfant à présent. Oui, c'était à l'époque. C'est un souvenir. C'était son vrai père, du coup, qui est mort. Ok. Mon véritable père. Tout va bien, Corinne. Et toi, tout va bien, Azura, là? Oui, je vais bien. Si ce n'est que je me déteste. Est-ce que ça va? Je n'arrive pas à croire que je me sois attaqué à toi. On aurait dit que j'avais complètement perdu le contrôle. Ne t'inquiète pas, je t'en prie. Ce n'est pas de ta faute. C'est le sang de l'ancien dragon qui coule dans tes veines qui a pris le dessus. Je pensais que seule la famille royale norienne descendait des dragons. Ta famille royale norienne a hérité du sang de dragon obscur. Quant à nous, nous avons hérité du sang de dragon albe. Mais toi, Corinne, tu es un cas à part. Tu peux prendre la forme d'un dragon. On m'a déjà parlé de telles prouesses, mais je n'avais jamais vu cela de mes yeux. Assez parlé de moi. Qu'est-il arrivé à tous les innocents qui étaient sur la place? Bah, ils sont tous morts. Hein. Comment on peut choisir Nord, en fait? Comment on peut prendre la route de Nord, là? J'arrive pas à y croire, toute la ville dévastée.
Il y a une heure, ces rues étaient pleines de familles et de commerçants. Regarde bien, Corinne, tu as devant toi l'œuvre des Noriens. C'est là leur façon d'agir. Laisse-moi deviner. Ton épée, c'est le roi Garon qui te l'a offerte. Oui. Il avait tout orchestré depuis le début. Rien n'est de ta faute. Il savait que tu serais capturé et amené devant la reine. Mais si, tu t'avais juste à jeter ton épée, quoi. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Je suis désolé de n'avoir rien vu venir. Tes excuses n'en sont que du vent. Tout est de ta faute. Mère est morte, tout comme d'innombrables innocents. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'étais pas revenu. Tu n'as pas ta place parmi nous. Ça suffit, Takumi. Ta colère ne changera rien à ce qui s'est passé. De plus, tais-toi, Azura, vous êtes bien pareil, toi et Corinne, des parasites. Yes. Takumi. Ne m'adresse même pas la parole, je ne veux plus jamais te revoir. Tu nous penses vraiment assez bêtes pour croire que tu ne savais rien. Takumi, mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête tes idioties. Tu viens de voir Corinne nous aider à combattre les soldats noriens. Takumi, je t'en prie, écoute-nous, Corinne est ton frère. Ne me fais pas confiance si tu veux, mais Corinne partage ton sang. Mère est morte à cause de lui. Il n'est pas mon frère. Désolé, je ne vous ai apporté que du malheur et de la souffrance. Je n'aurais jamais dû venir, je devrais peut-être partir dès maintenant. Attendez, ne crois pas que ce soit ce qu'aurait voulu la reine Mikoto. Et qu'en savez-vous, Miyu Kiruma? Que voulez-vous dire? Vous a-t-elle dit quelque chose? Navré de devoir vous annoncer cela, mais la reine Mikoto avait prédit sa propre mort. Vous n'êtes pas fautif, Corinne, c'est le roi Garon qui a tout organisé. La reine pensait même que des forces encore plus obscures étaient à l'œuvre. Elle n'avait pas prédit les circonstances de sa mort, mais la savait imminente. Une dernière chose, regardez cette statue. Bah, elle s'est jetée aussi en même temps. Elle a voulu protéger son fils. Est-ce une épée? C'est impossible. Et pourtant, c'est l'épée mythique Yato. Elle est très semblable à votre arme, Ryoma, la légendaire Rajinito. Ou encore à votre Yumi Fujin Takumi. Seul un guerrier d'exception est capable de manier Yato. Un guerrier choisi par l'épée elle-même. On raconte que Yato est la clé qui ramènerait la paix en ce monde. La clé qui ramènerait la paix. Bah, faut aller la prendre, hein. Elle vole. Ah bah d'accord. Elle est pour nous. Parfait. L'épée a choisi Corinne, évidemment. Impossible. Corinne, sais-tu ce que cela signifie? Corinne, vous nous entendez? Obtenu Yato. Ah ben voilà, il nous fallait une vraie épée en même temps. On vient de perdre l'ancienne. Elle est plus stylée celle-là, hein. Je trouve que c'est un assassin. Non, ça va, ses cases. Messire Ryoma, je vous rapporte un message de la plus haute importance. Les Noriens rassemblent actuellement une immense armée à la frontière. C'en est trop. J'ai fait mon possible pour éviter une guerre totale. Mais là, mais on l'a eu Yato, du coup, dans le chapitre d'introduction, non? C'était pas Yato qu'on avait? Même la mort est un châtiment trop clément pour eux. Qui est avec moi? Provoquer encore davantage les fusions de sang n'apportera aucune solution. Mais je dois suivre Ryoma. Ainsi, peut-être, pourrais-je agir pour éviter un autre carnage. Corinne, attends, il y a une chose que tu dois savoir. Tu risques de perdre le contrôle si tu combats maintenant. Ton sang de dragon pourrait reprendre le dessus. Si tu cèdes trop souvent, tu peux perdre toute humanité. Mais que puis-je faire pour empêcher ça? Ceci est une dracopierre. La fameuse dracopierre de Tiki. Elle t'aidera à utiliser le pouvoir du dragon, mais aussi à reprendre forme humaine. À présent, ferme les yeux, s'il te plaît. D'accord. Ah, c'est le collier? C'est le collier qu'elle avait sur elle. Voilà, ça devrait aller maintenant. J'ai appareillé cette dracopierre avec toi. Assure-toi de la garder en lieu sûr. Merci Azura, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Désolé, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Nous nous sommes rencontrés il y a peu, mais je me sens proche de toi. Tu as déjà risqué ta vie pour m'aider quand j'ai pris la forme d'un dragon. J'espère seulement pouvoir te rendre l'appareil un jour. Merci Corinne. Maintenant, ça voudrait dire que tu dois risquer sa vie pour sauver la sienne. Ça veut dire qu'elle est en danger. Moi aussi, je me sens proche de toi. Je me sens en sécurité à tes côtés. Et je veux que tu sois en sécurité aussi, alors je t'accompagne à la frontière. Obtenu Dracopierre. Chapitre 6, la croisée des chemins. Bon bah la voilà. Le voilà notre choix qui va arriver, je pense. Et oui, on est de retour au chapitre 20 du coup. Corinne, tu es vivant, ils ne t'ont pas fait de mal, j'espère. Xander, je vais bien. Mais pourquoi envahissez-vous Oshido? Père, pense qu'il est temps pour nous de montrer l'étendue de notre force. Joins-toi à nous et finissons-en au plus vite. Faisons tomber Oshido dès à présent et évitons toute effusion de sang inutile. Xander, je dois réfléchir. N'oublie pas, Corinne, cet homme est un commandant norien. Ryoma. C'est tout le monde, il appelle tout le monde Big Brother, quoi. Corinne, j'étais tellement inquiète, ne te mêle plus jamais de moi. Heureux de te voir sain et sauf, Corinne. Tu as bonne étoile. Et youpi, on a retrouvé notre grand frère.
Ordure Norienne, enlever Corinne ne vous suffit pas, vous lui mentez aussi. Corinne est mon frère, pas le vôtre. Mais c'est faux. Corinne est mon petit frère et vous ne l'aurez jamais. Ne les laisse pas te berner, ta place est ici auprès des tiens. Nous t'avons recueilli et élevé depuis ta plus tendre enfance. Reviens à la maison, jeune prince. Notre famille sera de nouveau réunie. Reviens en Oshido parmi les tiens, Corinne. Non, Corinne, Ron-Nord est ta véritable patrie. Donc on va devoir s'arrêter sur le choix. Viens. Non, grand frère. Non, c'est mon frère. Nous sommes ta famille. Tintintintin. Faites un choix, Nick. Ma famille. Ah. Ah, ok. J'ai directement le choix de faire révélation. Bon, révélation, on le fera à la fin, hein, c'est sûr. On fera révélation sur la fin, c'est évident. C'est le dernier choix qu'on fera. Je sais pas. Vous m'avez dit en commentaire de commencer par conquête, mais franchement, conquête, ça donne pas envie. Mais en même temps, on va devoir le faire. Alors, émulation, sauvegarde d'état, sauvegarde dans l'emplacement le plus ancien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander... Entre héritage et conquête, celui que vous préférez. J'ai commencé... je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas entre les deux. On fera les deux de toute façon. Mais vous m'avez dit qu'il fallait mieux commencer par conquête. Mais je ne sais pas si c'est un avis qui est... Parce qu'il n'y en a qu'un seul avis. Donc est-ce que c'est un... Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette affirmation? Ou pas? Voilà. Donc j'ai pas envie de faire conquête, perso. Parce que Nord, c'est des bâtards. Mais justement, peut-être que ça va nous faire voir une autre facette. On fera tout, hein, de toute façon. Ça serait bien de pouvoir faire une sauvegarde. Faut que je garde une sauvegarde. Attendez, comme ça, je reprends directement d'ici, quoi. À moins qu'à la fin du jeu, je puisse directement recommencer de là. Que je refasse pas le début. Fire Emblem Face, Fire Emblem Étage. Bah, on fera ça dans le prochain épisode. Donc, multijoueur. Émulation. Sauvegarde d'état. Sauvegarder l'emplacement, j'ai déjà fait. Faudrait que je puisse garder la sauvegarde. Mais il me semble que j'ai une sauvegarde de toute façon. Ok, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite et découvrir Fire Emblem Fates Héritage ou Fire Emblem Fates Conquête en fonction de ce que vous allez me dire. Mais je pense qu'on fera Conquête parce que je suis plus intrigué par Héritage, donc j'ai envie de faire Conquête d'abord, vous voyez. Je suis du genre à faire ce qui me plaît le plus en dernier. Mais après, je vais me tromper, hein. Ça se trouve Conquête, j'ai préféré. Bref, on verra bien. Ciao, ciao tout le monde et à la prochaine.